responsable. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de la rédaction. Les titres qui seront développés dans ce journal. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a présidé ce matin le forum sur la jeunesse djiboutienne et son développement durable au Djibouti Palace Kepinski. Et Donald Trump qui a déclaré la guerre du vin français sur le sol américain. Bonjour, bienvenue à vous et à vous tous sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a parrainé ce matin le forum de la jeunesse djiboutienne, acteur du développement durable. C'est le premier forum du genre qui met en avant l'engagement de la jeunesse djiboutienne dans le développement, dans l'optique de bâtir le Djibouti de demain. Hamza Mohamed nous en dit plus. Le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel Kempinski, le forum sur la jeunesse et le jeune acteur du développement. C'est ce forum qui va se dérouler pendant 2 jours. Les panélistes vont essayer d'aborder plusieurs thématiques concernant les problématiques liées à la jeunesse. La cérémonie a vu la participation de membres du gouvernement ainsi que la première dame du pays, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Nous vous proposons de le suivre dans ce sujet. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a parrainé le forum des adolescents et jeunes acteurs de développement ce matin au Kempinski Hotel. C'est le premier forum du genre qui met en avant l'engagement des adolescents et jeunes djiboutiens dans le développement durable dans l'optique de bâtir le Djibouti de demain. Ces forums, organisés en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère des Affaires sociales, a été exclusivement dédié à la jeunesse djiboutienne. Ayant pour principal objectif la place de jeunes dans la société de demain, les jeunes, en vue de changer, vont débattre sur des sujets qui les concernent et de partager des expériences, initiatives novatrices et surtout de renforcer leur implication dans la réalisation de la vision 2035. Et des objectifs de développement durable. À son arrivée, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, ont été accueillis par le premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Le chef de l'État et son épouse ont sillonné les différents stands dressés devant la salle de la cérémonie d'ouverture à ces forums. Il s'agissait notamment des stands appartenant entre autres au système des Nations Unies du ministère des Affaires sociales. Ils ont tous exposé au président de la République leur mission et leurs produits d'innovation technologique. Le couple présidentiel ont pris place dans la salle parmi leurs invités de marque. Ces forums a vu la participation du représentant du système des Nations Unies, l'UNICEF, le PNUD, le Centre de technologie et de l'innovation. Ces forums a vu également la présence des membres du gouvernement, le haut cadre de l'administration, le corps diplomatique et par-dessus tout de jeunes issus du monde de l'entrepreneuriat, mais aussi d'autres issus de l'université de Djibouti. Ces concertations qui vont durer 10 jours vont permettre de mieux guider le jeune avec des solutions et des engagements pour le monde de demain. Ce jeune acteur et décideur de demain devra mettre en œuvre la transformation d'une économie de notre société, le tout dans la base d'un modèle plus durable qui intègre parfaitement la vision de Djibouti 2035 et l'agenda 2063 qui eux-mêmes traduisent concrètement en divers objectifs. Cela permettra à la République de Djibouti de rester concentrée et engagée envers les idéaux envisagés dans le contexte d'un monde qui connaît une évolution rapide. Écoutons à présent la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Djanabou Maoundé. À la veille de la célébration du 30e anniversaire de la Convention nationale des Nations Unies sur les droits des enfants, un premier bilan s'impose. Malgré des défis encore persistants, surtout pour les enfants issus des familles les plus pauvres, des investissements et des progrès considérables ont été réalisés, avec une attention particulière pour la fenêtre d'opportunités cruciales qu'offrent les 5 premières années d'une vie. Ces avancées ont été réalisées grâce à des actions multidisciplinaires autour de la nutrition, de la santé, mais aussi autour de l'accès équitable à une éducation de qualité. Nous avons ainsi aujourd'hui plus d'enfants qui atteignent leurs 5 ans, des enfants qui intègrent le primaire,
et aussi un nombre croissant de jeunes et d'associations qui doivent être préparés et accompagnés dans leur transition vers l'âge adulte. Une deuxième opportunité d'investissement pour le capital humain. Dans son discours, le chef de l'État, le ministre, donc avant de passer au discours du chef de l'État, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hassan Mohamed Kamil, a mis en relief la politique du gouvernement pour la jeunesse djiboutienne. Je vous propose de l'écouter. C'est un réel plaisir et un énorme privilège de me tenir aujourd'hui devant vous et de prendre la parole dans ce moment historique pour notre pays. À l'entame de mes propos et avant toute chose, je voudrais rendre un vibrant hommage et saluer ici, parmi vous, la présence du chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a toujours accordé à la jeunesse une place de choix et l'a placée au centre de toutes les préoccupations et actions gouvernementales. Une jeunesse qu'il considère comme les meilleurs atouts pour l'avenir. Qu'il en soit remercié. En effet, ce souci permanent du président de la République à l'égard de la jeunesse se traduit par de nombreux programmes et actions en faveur des jeunes et adolescents à travers différents départements ministériels tels que la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, le logement, la famille, le sport, etc. Il y a un fait indéniable. Le monde connaît aujourd'hui la plus importante génération de jeunes de son histoire. Le un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans. Le président de la République fut le premier à ressentir l'importante nécessité de parler avec les jeunes. Rappelez-vous, il y a un an, il y a un peu plus d'un an, une rencontre inédite et historique a regroupé les jeunes du pays pour discuter de vive voix avec le président de la République à propos de leurs préoccupations, de leurs attentes et de leurs besoins. Dans son discours, le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a indiqué que la jeunesse djiboutienne est la priorité du gouvernement et que cette priorité se décline et se conjugue dans tous les développements qui concernent notre jeunesse, à savoir l'éducation, les loisirs, la formation, mais aussi la santé ou encore l'emploi. Écoutons un premier extrait du discours du chef de l'État. C'est avec un grand plaisir que je participe avec vous à ce forum dédié aux adolescents et aux jeunes. L'occasion pour moi de rappeler la priorité que le gouvernement accorde à la jeunesse de notre pays. Cette priorité, comme vous le savez, se décline et se conjugue dans tous les domaines qui concernent notre jeunesse. L'éducation, les loisirs, la formation, mais aussi la santé ou encore l'emploi. Dans tous ces domaines, le gouvernement a pris beaucoup de mesures et réalisé beaucoup d'actions qui ont contribué à l'épanouissement de notre jeunesse. Je voudrais vous citer comme exemple des avancées, la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, le service national adapté ou encore le fonds de garantie pour la jeunesse. Ces mesures, mais aussi beaucoup d'autres, ont facilité l'insertion socio-professionnelle des milliers de nos jeunes. Le gouvernement, toujours dans son souci de garantir à la jeunesse du pays un avenir prometteur, a restructuré certains départements pour coller au plus près de leurs aspirations et des besoins. C'est pourquoi l'ancien ministère de l'Éducation a été transformé en un grand ministère de l'Éducation et de la Formation. Le gouvernement cherche aussi à établir des synergies entre les différents départements ministériels, comme celui de la Jeunesse et de l'Éducation, toujours dans le but de construire une offre politique globale qui soit à la hauteur des défis auxquels est confrontée notre jeunesse.
Dans la seconde partie de son discours, le président Guélé a martelé que la jeunesse est l'espoir sur lequel repose notre avenir commun et dans un monde en perpétuelle transformation et en perpétuel challenge, c'est notre capacité d'invention et d'innovation qui fera toute la différence. Je vous propose de réécouter le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guélé. Messieurs, ces défis sont immenses, ces défis sont pluriels, car il s'agit de la santé de nos jeunes, de l'éducation de nos jeunes, de la formation de nos jeunes, de l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes, l'épanouissement de nos adolescents et de nos jeunes se joue en plusieurs actes et en plusieurs volets. Le gouvernement a la responsabilité politique de créer les conditions de cet épanouissement. C'est ce qu'il s'efforce de faire, en restant toujours à l'écoute de ceux et celles qui sont dépositaires de notre avenir et de notre développement. C'est pourquoi le forum comme celui-ci constitue un espace de débat, d'échange et de concertation le mieux approprié pour donner à notre jeunesse des opportunités de s'exprimer, aussi bien sur les problématiques qui les concernent directement que sur les autres questions d'intérêt général et collectif. Car nous ne devons pas négliger le regard et la perception de la jeunesse sur l'actualité et surtout sur notre avenir. Car le plus souvent, il s'agit d'un regard neuf et d'une perception originale. Mesdames et messieurs, pour un pays comme le nôtre, où les jeunes constituent 50% de la population, cette jeunesse doit être considérée comme un atout majeur pour notre développement et notre avenir. Cette jeunesse doit être considérée comme une ressource et comme un capital humain à valoriser. Nous devons faire en sorte que ces potentialités ne soient pas la proie des fléaux tels que la délinquance, la déperdition scolaire ou encore le chômage. La meilleure façon d'éviter ces pièges et de faire éclore ces potentialités, c'est bien sûr l'éducation et la formation. Cette responsabilité, le gouvernement l'assume pleinement. C'est pourquoi l'éducation pour tous est devenue une réalité aujourd'hui, aussi bien dans nos villes que dans nos régions. C'est pourquoi aussi le gouvernement a lancé une politique de formation en adéquation avec la réalité du marché du travail. Cette politique, en accord avec la vision 2035, commence à porter ses fruits. Mesdames et messieurs, la force vive d'un pays comme le nôtre, c'est surtout sa jeunesse. C'est une force de proposition, c'est une force d'innovation, c'est aussi une force d'action. En effet, qui mieux que les jeunes eux-mêmes connaissent leurs désirs et leurs aspirations? Qui mieux que les jeunes eux-mêmes peuvent se protéger vers leur destin et vers leur avenir? Notre responsabilité à nous, c'est d'intégrer ces désirs et ses aspirations dans le projet de société que nous voulons pour notre pays. C'est la seule façon de creuser des fossés intergénérationnels. C'est la seule façon aussi de construire une citoyenneté inclusive qui sert de socle à l'identité nationale. À vous qui représentez aujourd'hui la jeunesse, sachez que vous incarnez aussi le futur. Et à ce titre, sachez que vous êtes l'espoir sur lequel repose notre avenir commun. Et dans un monde en perpétuelle transformation et en perpétuel challenge, c'est votre capacité d'invention et d'innovation qui fera la différence. Car avec la mondialisation et l'économie numérique, un nouveau monde s'offre à nous,
avec des nouvelles réalités et des nouvelles exigences. Et c'est parce que vous serez les acteurs de ce changement que notre pays continuera sur le marché, sur le chemin de son développement. Je vous remercie. Le chef de l'État s'est exprimé également en langue locale, mais vous aurez cet extrait du chef de l'État en langue locale, en langue somali, dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose maintenant, donc c'est une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Romlé, qui participe aux travaux de la 108e conférence internationale du travail à Genève, du 10 au 21 juin prochain. Cet événement coïncide cette année avec la commémoration du centenaire de l'OIT. Plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour de cette session, notamment le rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, la violence et l'harcèlement dans le monde du travail, des débats et des activités thématiques autour de l'avenir du travail, ainsi que la stratégie de la migration du travail. D'autres initiatives concernant le renforcement de la position de l'OIT au niveau mondial sur les questions du travail et de l'emploi ont été également abordées, le renforcement du rôle et de l'influence de l'organisation au sein du système multilatéral et enfin la relance du dialogue social entre les acteurs tripartites. En préparant à cette conférence, aux côtés du ministre, les cadres du ministère, les représentants des employeurs et des travailleurs djiboutiens et ainsi que l'ambassadrice de Djibouti à Genève, Mme Khadra Ahmed Hassan. Le ministre a pris part également aux travaux de la réunion du groupe africain et la réunion du groupe arabe, l'initiative djiboutienne, visant à adopter une position unifiée concernant les méthodes de travail. Par ailleurs, la délégation djiboutienne a participé aussi aux travaux de la commission de l'application des normes à la commission de proposition et de celle de la violence et harcèlement dans le monde du travail. En marge de cette conférence, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Romlé, va rencontrer ses homologues des pays arabes, africains et des responsables du Bureau international du travail, l'OIT. Retour donc à Djibouti, où le colonel Waes Omar Borar, le commandant de la garde côte djiboutienne, a accueilli dans l'enceinte de la salle de réunion du quartier général de la garde côte une délégation japonaise conduite par le senior vice-président de l'agence japonaise de la coopération japonaise, la JICA, Hiroshi Kato, en présence entre autres du représentant résident de la JICA à Djibouti et des officiers de l'institution. Le commandant de la garde côte djiboutienne et le senior vice-président de la JICA ont eu des échanges fructueux et constructifs faisant état de la bonne coopération et collaboration entre les deux pays frères et amis, la République de Djibouti et le Japon, et par conséquent entre les deux institutions que sont la garde côte et la JICA. Le colonel Waes Omar Borar a d'emblée souhaité la bienvenue au senior vice-président Hiroshi Kato avant de lui faire une brève présentation des différentes missions et services de la garde côte djiboutienne. Le chef de la délégation japonaise a quant à lui loué le développement et les avancées majeures enregistrées en si peu de temps de la garde côte djiboutienne, mais aussi il a tenu à mettre en relief la très bonne relation entre la JICA et la garde côte djiboutienne. L'entretien entre la délégation japonaise et la garde côte s'est achevé par une courte visite des moyens navals de cette institution. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a abrité hier une cérémonie consacrée à la remise d'un don de 200 tonnes de dattes saoudiennes d'un montant de plus de 88 millions de nos francs au programme alimentaire mondial, le PAM. Ce don sera distribué aux familles donc pauvres de la communauté djiboutienne ainsi qu'aux réfugiés résidant sur le territoire national. Au cours de cette cérémonie, le document de réception a été signé entre les représentants du ministère des Finances saoudien au centre du centre roi Salman bin Abdelaziz et de l'ambassade saoudienne à Djibouti, ainsi que le bureau du PAM à Djibouti. Ont assisté à cet événement Lafi Al-Mutayri, consul général de l'ambassade d'Arabie saoudite à Djibouti, la représentante du PAM alimentaire mondial à Djibouti, Olivia Hans, ainsi que des représentants du ministère des Finances de l'Arabie saoudite, le centre d'aide et des affaires humanitaires du roi Salman et le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de Djibouti. Cette assistance constitue une extension de soutien continu du Royaume d'Arabie Saoudite à notre pays afin de suivre le rythme des efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des familles les plus démunies, en plus des réfugiés résidant dans notre pays.
À cette occasion, la représentante du programme alimentaire mondial à Djibouti, Olivia Hans, a remercié les autorités saoudiennes d'avoir offert ce don de date, en soulignant que ce geste contribuerait à répondre aux besoins des groupes vulnérables de la société des réfugiés. Elle a ajouté que l'Arabie saoudite a augmenté sa donation cette année 2019 pour passer de 39 tonnes l'année dernière à 200 tonnes cette année. Cette augmentation significative est la preuve que le PAM a établi un partenariat de confiance avec le Royaume d'Arabie saoudite qui se consolide chaque année depuis 2014, a affirmé la représentante du programme alimentaire mondial à Djibouti. De son côté, le consul général à l'ambassade d'Arabie saoudite à Djibouti, Lafi Al-Moutairi, a souligné les profondes relations fraternelles et la coopération commune entre les deux pays frères, à savoir l'Arabie saoudite et la République de Djibouti. Il a ajouté que cette aide alimentaire faisait partie des efforts du Royaume d'Arabie saoudite dirigé par le roi Salman bin Abdel Aziz et le prince héritier Mohamed bin Abd Salman pour accompagner les efforts de la République de Djibouti pour améliorer les conditions de vie des familles vulnérables. Le programme alimentaire mondial va distribuer dans les prochaines semaines ce don de date aux familles vulnérables djiboutiens dans la capitale et dans les régions ainsi qu'aux réfugiés résidents sur le territoire national. C'est ce qu'a souligné le consul général de l'ambassade d'Arabie saoudite à Djibouti. Pour l'actualité internationale, je vous l'annonçais dans les titres. Donald Trump brandit son arme favorite, celle de la menace de nouveaux droits de douane, mais cette fois, c'est à l'égard de la France. Le président des États-Unis accuse Paris de beaucoup taxer le vin américain, alors que Washington, à l'inverse, taxe peu le vin français, dit-il. Dans les faits, la réglementation européenne impose ces tarifs douaniers qui peuvent varier de 11 à 29 cents par bouteille pour les vins américains, alors que les bouteilles françaises qui arrivent sur les tables outre-Atlantique sont moins taxées. Les chiffres aussi entre 5,3 et 19 cents par bouteille, là ainsi selon le type de vin. Ces droits de douane sont donc asymétriques, mais les États-Unis restent la destination numéro 1 d'exportation des crus venus de l'Hexagone, et cette tendance se confirme dans la durée, puisque l'an dernier, les ventes de vin et des spiritueux français vers ce pays ont encore bondi de plus de 4% et pèsent plus de 3 milliards d'euros. Les Français, de leur côté, apprécient aussi de plus en plus les crus en provenance de la Californie, puisque les importations de vin américain ont doublé au cours de ces 10 dernières années. Pour ces viticulteurs, la France est également le premier débouché pour leur exportation. En novembre dernier, Donald Trump avait déjà agité la menace d'une hausse de droits de douane sur les vins français, alors que les autres pays européens appliquent les mêmes règles. Ce que pointe en réalité le locataire de la Maison Blanche, c'est le déficit commercial entre Paris et Washington. La balance pèse en faveur de la France, et l'an dernier, ce déficit s'est creusé de plus de 3% dans le secteur des biens pour atteindre près de 14 milliards d'euros. Des négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis ont débuté hier, alors que Bruxelles souhaite exclure le secteur agricole de ces discussions. Le triomphe donc des Américaines dans le mondial du football féminin, 13-0, plus qu'une victoire, un triomphe sans concession pour les Américaines qui ont écrasé les Thaïlandaises pour leur premier match de ce mondial féminin. Les États-Unis ont pu compter sur la performance exceptionnelle de l'ancienne joueuse de l'Olympique lyonnais Alex Morgan, qui a marqué 5 buts. Les Suédoises se sont quant à elles imposées face aux Chiliennes 2-0 grâce au but de Kasovar Aslani et de Madeleine Januji. Joignant ainsi les Américains en tête du classement du groupe F. De son côté, la Nouvelle-Zélande pensait tenir le point du match nul face aux Pays-Bas, mais c'était sans compter sur Jillie Roure qui a assuré aux Néerlandaises la victoire de la première place du classement du groupe E devant le Canada qui s'est imposé 1-0 face au Cameroun. Ce mercredi, le Nigeria affrontera donc la Corée du Sud et la France jouera contre la Norvège. Deux matchs décisifs pour départager Français et Norvégiens pour l'heure, tous les deux en tête du groupe A. À suivre également le duel très attendu entre l'Allemagne et l'Espagne qui se battront la première place de leur groupe. C'est tout pour ce journal de la rédaction centrale de l'RTD. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite à tous et à toutes partout où vous êtes sur Télé Djibouti de passer des très très bons moments avec la suite de nos programmes télévisés. Portez-vous bien. Bye bye.